Especialista en historia y literatura árabe, nos cita en un lugar emblemático de la ciudad, la Gran Mezquita. Je pense que le premier geste qui va instituer ce qu'on appelle l'orientalisme, c'est la traduction des Mille et une nuits par Antoine Galland. C'est à partir de la traduction française que ces contes vont connaître une diffusion universelle et mondiale et va vraiment appartenir à la mémoire du monde. Donc cet aspect-là est majeur. S'ajoute en effet après ce deuxième temps français l'expédition de Bonaparte en Égypte à la toute fin du XVIIIe siècle où l'effet a été énorme. Ce geste d'ailleurs me paraît majeur parce que il institue à la fois l'orientalisme mais on oublie de parler en Europe et dans le monde en général et même dans la conscience des orientaux eux-mêmes, l'autre effet de l'expédition de Bonaparte, ça a été l'électrochoc pour l'Orient.